monde qui a un replay. On y va, on commence. On s'est passé à quatre pattes. Commencez juste à basculer les bassins d'avant en arrière. Donc, focalisez vraiment sur les bassins, sur le bas du dos. Et puis, si vous voulez, vous pouvez commencer à mobiliser les doigts un peu plus. Inspirez, expirez. Et de là, réalignez. Rentrez bien le ventre, on y va activer les planches pelviennes. Et là, on va un peu plus loin. On arrondit bien les dos, on s'assoit arrière et on redresse vers l'avant. Et encore, arrondissez arrière, redressez, repartez vers l'avant. Donc, dos rond vers l'arrière et dos plat vers l'avant. Encore deux fois, dos rond et dos plat. Et dernière, dos rond et dos plat. Et on change. Dos plat vers l'arrière et puis vous repartez vers l'avant, un dos rond et encore plat et rond. Encore deux fois. Hop. Et dernière, arrondissez, arrondissez, repartez. Là, gardez les dos bien rondes, bien en chat, comme une petite dôme. Et commencez à bouger bien d'un côté à l'autre, comme à faire des cercles. Et mobilisez bien toute la colonne, bien d'un côté à l'autre. Dernière fois. Et changer de sens. Donc, et un quart d'un côté, côté opposé, un quart deux fois. Et un. Et puis, repartez. Accrochez bien les orteils, décollez les genoux et commencez à vous placer sur un petit gainage. Juste avec les jambes bien fléchies, 4 et 3 et 2. Reposez. Dès là, écartez bien les jambes, poussez bien les pieds au sol. Donc, pensez bien à pousser les sols avec les jambes, la jambe. Et à nouveau, mobilisez bien la colonne. En haut et en bas. Up et down. Et encore. Arrondissez, changez, un quart deux, et un, et de là, redressez bien les dos. Alors, montez, décollez le bras opposé, et décollez la jambe qui était sous côté, et ramenez-la bien loin l'arrière. Restez là, activez bien le centre, faites-moi des cercles, et 5, 4, et 3, 2 et 1. Changez de direction. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Gardez bien l'équilibre. Ramenez les genoux vers les coudes. Et tendez jambes et bras. Et encore. Coup de genou. Tendez jambes et bras. Et 3. Et 4. Ni les bassins, ni les épaules bougent. 6 et 7. Et petite dernière. Et on repose et on se replace. Je vais juste tourner, juste pour la vidéo, mais vous pouvez rester là. Tendez l'autre jambe bien sous côté. Pressez les pieds au sol. Et à nouveau, arrondissez et redressez. Et encore. Inspirez, expirez, et encore, encore, on inspire, on expire, on le fait encore deux fois, inspirez, expirez, inspirez, expirez, et dès là, redressez, décollez les bras, décollez la jambe, ramenez-la bien loin arrière, faites-moi 5 et 5, 7, et 5, 4, 3, 2 et 1, changez, et 5, 4, 3, 2 et 1, ramenez les genoux vers les coudes et redressez, et encore,
Et 3. Et 4. Et 5. Allez. 6. 7. Et 8. Et puis reposez. De là, croisez les jambes pour aller vous asseoir. Et tout de suite, alors je vous conseille, si vous l'avez, de placer petite serviette au niveau du bas du dos. Et là, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Donc vous avez bien les bas du dos placés sous quelque chose. Donc les bas du dos est bien supporté. Et vous avez les neutres du coup. Donc les petits espaces. Rentrez bien les ventres, activez bien les abdos. De là, remontez les deux jambes en chaise avant inversée. Continuez à repousser, à plaquer les dos contre la serviette. Et sans bouger les bassins. 1 et 2. Et 8, 7, 6, 5 et 4. Restez, serrez les talons ensemble et allez tirer les deux jambes. Inspirez, expirez, continuez avec le ventre bien rentré. Donc là, normalement, les abdos sont beaucoup plus actifs. Vous les sentez vraiment actifs. Comme vous continuez à plaquer un quart d'heure et un. Et là, montez la tête et les épaules aussi. Juste. Inspirez sur 5, expirez sur 5. Ah, Marie-Véronique, je te vois trop bien là. Inspirez 5, expirez 5. Et 1. Inspirez 5, expirez 5. Continuez, continuez. 5, inspirez. 5, expirez. Inspirez, expirez. Et dernière fois, inspirez. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Faites-moi un gros cercle et venez vous asseoir. Et on attaque tout de suite avec un petit roll down. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, inspirez. Une jambe à la poitrine et expirez pour remonter une vertèbre après l'autre. Et encore, arrondissez le dos, déroulez vers l'arrière. Attrapez la jambe et la tête. Haut du dos, milieu du dos, et vous déroulez la colonne pour remonter. Inspirez, expirez, arrondissez. Ou vous pouvez aussi remonter avec les deux jambes bien plaquées au sol, mais toujours bien avec contrôle, sans creuser. Inspirez, expirez. Et encore, on inspire, on monte, on expire, on déroule, inspirez, expirez, allez, les deux dernières, inspirez, expirez, petite dernière, on inspire, on expire, fléchissez les genoux, enlevez la serviette, attrapez bien derrière les genoux. Poussez les jambes vers l'avant et arrondissez le dos. Aidez la pompe. Un petit rolling wake roll. Avant-arrière. Massez bien la colonne. Inspirez, arrivez aux omoplates. Inspirez, remontez. Sans toucher les pieds au sol si vous pouvez. Et encore. Inspire. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Deux fois encore. Inspirez. Expirez. Petite dernière. Inspirez. Expirez. Redressez. Redressez les jambes autant que vous pouvez. Redressez les hauts du corps. Et de là. Déroulez. Replacez-vous au sol. Omoplate au sol. Tirez un genou. Et chargez. Et single stretch. Posez la tête au sol si vous voulez. Et tête au sol sur un petit coussin. C'est à vous de décider. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Double leg stretch. Les deux genoux à la poitrine. Inspirez.
pour la jambe et expirez. Et un quart. On inspire, posez la tête si vous voulez. Expirez. Et un quart. Inspirez. Expirez. Continuez, continuez. Inspirez. Étirez bras et jambes. Expirez. Un quart deux fois. Inspirez. Expirez. Rappelez-vous, synchronisez les bas du dos. Inspirez. Et à l'expiration. Scissors. Et 8, 7, jambes bien vers le 2, et 4, 3, 2, et 1, restez là. Alors, allez, mais reposez la tête au sol, posez les bras le long du corps, gardez les deux jambes bien montées. Toujours en neutre, et là, single leg circle, et 5, et on remonte. La jambe opposée est toujours bien stable, sauf si vous avez besoin, vous posez les pieds au sol ou juste les orteils. Et 4. Et 5. Changez de sens, même jambe. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et changez. 5, 4, 3, et 2, et 1. On change de sens. Et 5, 4, 3, encore, 2, et 1. Et on repose. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Faites-moi un petit happy baby avant d'échanger. Et de là, attrapez derrière. On se fait un petit spine stretch et puis on change de position. Donc, pressez bien l'air pour vous redresser bien. Inspirez. Et à l'expiration, arrondissez bien les dos pour bien étirer la colonne. Repoussez les nombrils vers l'arrière, la tête vers l'avant, bien en ronde. Inspirez, remontez. Inspirez, à peine overpassez par-dessous quelque chose. Tirez, tirez, tirez. Voilà. C'est vraiment les sommets de la tête qui partent vers l'avant, comme si vous pouviez étirer la colonne par les sommets de la tête. Arrondissez. Inspirez. Expirez. Et là, un dernier, attrapez les pieds. Et là, étirez un peu plus. Donc, allez bien étirer, même les ischions, les mollets. Tirez, tirez, tirez. Relâchez la tête. Attrapez où vous arrivez. Étirez bien la chaîne postérieure. Et puis, redressez. Croisez les jambes. Partez vers l'avant avec les mains. Accrochez les deux jambes. Et on passe sous le chien de tabac pour bien étirer toute la chaîne postérieure. Donc, on aligne bien la tête. Relâchez la tête. Fléchissez les jambes pour l'instant et focalisez-vous sur les dos. Donc, deux mains au coccyx, vous gardez une ligne. Le ventre rentre et là, si vous pouvez, tendez les deux jambes aussi. Restez quelques instants. Respirez, respirez. Le ventre est bien rentré, bien inspiré. Et là, fléchissez bien les genoux pour essayer d'aller un peu plus loin avec l'étirement du dos. Fléchissez bien les genoux. Et puis, redressez. Et un quart. On fléchit. Et on redresse. Et
regardez les mains, vous montez la tête. Et puis, commencez à vous aligner. Passez un gainage. Aidez là. Ventre toujours bien rentré. Plongez vers l'avant. Placez-vous au sol. Relâchez les jambes. Les jambes restent au sol, mais bien actives. Posez la tête. Placez les bras le long du corps. Inspirez. Et synchronisez les bas du dos. Expirez. Montez tête et épaule. Inspirez. Reposez. Expirez. Et... En inspirant, on repose. En expirant, on remonte. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Aidez là. Repoussez les sols avec les coudes pour faire comme une sphinx, comme la pose des sphinx. Un peu à peu. Restez là quelques instants. Toujours synchroniser les bas du dos. Donc, passez bien l'extension du haut du dos. Ouvrez la poitrine. Connectez les omoplates. Mais les bas du dos ne se creusent pas. Donc, vous êtes plus ou moins en haut. Mais synchroniser. Et puis de là, single leg kick. 1, 2 et on pose. Pose. Si c'est trop, posez le front sous les deux jambes. Et là, vous pouvez aller un peu plus loin avec les genoux qui montent. Ou là, vous êtes un peu plus coincé. Normalement, hop, hop, et un quart. Un quart, deux. Et un. Et puis, reposez la tête au sol. Inspirez, expirez. Ramenez les deux pieds vers vous, attrapez les pieds, rattrapez bien les ventres au maximum et de là, tirez les jambes vers l'arrière, remontez les épaules. Montez, 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 tirez 4, 3, 2 et 1, reposez, posez le front. Posez les mains sur les épaules, posez les genoux, repoussez, repassez sous les quatre pattes et puis, chaîne de tabac. À nouveau. Alors, bougez un peu avec les jambes, les bassins, bien d'un côté à l'autre. Essayez de toujours bien mobiliser la colonne, les bassins. Et de là, hop, hop, montez une jambe bien loin, autant que vous pouvez. Fléchissez les genoux et restez. Et puis, reposez la jambe. Montez la jambe opposée autant que vous pouvez. Tirez, tirez, tirez. Fléchissez les genoux. Restez, restez. Et puis, reposez. Restez 4, 3, 2. Et là, posez les genoux au sol. Posez le ventre sous les cuisses, posez la tête au sol et relâchez les épaules. Relâchez la tête, les bras, respirez, respirez. Et là, remontez, roulez les épaules en arrière. Faites-moi un petit change, petit flip over.
On va se placer au sol et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Petite shoulder bridge, donc rien sur la tête. Bras le long du corps. On inspire, on monte les bassins. Et on expire, on déroule la colonne pour se reposer au sol. Et encore, inspirez, montez, montez, montez. Expirez. Et encore, inspirez. Expirez. Encore deux fois. Hop, hop, inspirez. Expirez. Dernière, on inspire. On reste en haut. On reste, on reste. Décollez la jambe. Alors, tirez-la à la poitrine autant que vous pouvez, même si vous l'attrapez. Tirez, tirez. Et puis, reposez et changez des jambes. Tirez-la à la poitrine. Et puis, essayez de garder la même amplitude et alternez les jambes. Hop. Et on repose. Monte, tendez la jambe. Et on repose. Hop. Up, down, down, up, up. Toujours les dos bien alignés. Si c'est trop au niveau du dos, faites point-point et vous reposez les bassins. Et up, et vous faites pareil. Mais vous supportez les dos au même temps. Et encore. Lift, lift, down, down. Et up, up, down. Down, encore. Up, up, down, down. Allez, deux fois encore. Up. Et un. Restez sur le shoulder bridge. Restez, restez, restez. Et puis, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Tendez bien les deux jambes, inspirez, et à l'expiration, remontez la tête, les épaules, et déroulez la colonne pour vous redresser. Et tout de suite, partez vers l'avant, arrondissez bien les dos, remontez, inspirez, là, partez en cernière vers l'arrière, inspirez les ventres, et puis 1 et 2. On décolle les deux jambes, on se place en teaser. Ouvrez bien la poitrine, restez là, baissez les épaules. Inspirez, expirez, posez les pieds au sol si vous avez besoin. Inspirez, expirez, ou inspirez, expirez, encore deux. Inspirez. Expirez, là, inspirez, expirez, et encore, inspire, expire, inspire, expire, posez bien les bras au sol, reposez les pieds, et de là, on monte, soit en pose des tables, ou soit avec les jambes tendues, un reverse plank. Restez, restez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et puis, on repose. Fléchissez et croisez les jambes pour repartir vers l'arrière. Et dès là, vous vous placez sur votre dernière. Petit chaise en bas. Et tirez bien. Alors, essayez de coller les talons au sol cette fois-ci. Les jambes bien tendues, les talons au sol. Alignez-vous bien. Et puis, redressez bien les dos. De la tête aux talons. Et de là, tournez sous côté, inspirez, montez bien.
maintenir le bras bien vers le plafond. Regardez la main. Expirez, replacez-vous, toujours aligné. Inspirez, montez à l'inverse. Tirez, tirez, tirez. Expirez. Et encore. On inspire, on monte. On expire. Inspirez. Expirez. Un quart de. Inspirez. Expirez. Là. Inspirez. Tournez-vous vers moi. Là. On reste. Alors, vous pouvez poser les genoux inférieurs au sol. Ou vous pouvez rester là. C'est à vous. Expirez. Inspirez. Et un quart. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Encore deux. Et un. Et puis, on va s'asseoir au sol pour un side bend. Fléchissez les genoux et gardez les genoux ensemble pour le side bend. Hop. Coulez bien les deux genoux ensemble. Ou sinon, écartez. Et de là. Hop. Et on repose. Posez les coudes au sol si vous avez besoin, bien sûr. Hop. Et on repose. Et trois. Allez, on fait encore deux. Et deux. Et petite dernière. Hop. On repose. Et là, on écarte bien les jambes pour faire le mermaid. Alors, pensez à bien vous asseoir sous les deux côtés du bassin. Si vous n'arrivez pas, prenez la serviette et placez-la sous côté plus bas. Tendez les bras et aidez là. Tirez, tirez, tirez. Inspirez. Expirez. Et on inspire. On expire. Inspirez, bravo. Expirez. Petite dernière. Inspirez. Et à l'expiration. Tirez. Et puis de là. Replacez-vous sous gainage. Cette fois-ci à l'inverse. Et puis à nouveau. On étire bien. On reste là. Posez les genoux de la jambe inférieure ou gardez les deux jambes. Expirez, rotation. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore deux fois. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et là, on va s'asseoir. Inspirez. Expirez et tirez. Inspirez, reposez-vous au sol. Expirez. Allez, trois. Gardez les genoux collés si vous avez besoin. N'oubliez pas, c'est toujours l'option facile. Et quatre. Et cinq. Hop. Et puis. Ramenez les genoux arrière. Placez les deux côtés du bassin. Et là. Inspirez. Expirez. Très bien. Étirez bien la chaîne latérale. Inspirez. Expirez. Deux fois encore. On inspire. On expire. Et on inspire. Et on espère le dernier. Et on repose. Tournez-vous. Alors, attrapez derrière les genoux à nouveau. Arrondissez bien les dos. Roulez l'arrière et remontez. Repoussez les talons au sol et roulez avant-arrière. Sans trop rouler vers l'arrière. Donc jusqu'aux omoplates. Et remontez. Et un cœur. Quatre. Et cinq. Et vous croisez les pieds. Partez vers l'avant, cette fois-ci, à
avec les jambes croisées et étirer. Arrondissez les dos, repartez vers l'avant, changez à l'inverse et étirez, étirez. Et puis réalignez les deux pieds. Et tirez bien vers l'arrière. Alors, essayez de bien écarter les genoux et vraiment de repousser les bassins arrière. Attrapez derrière les mollets, derrière les genoux, relâchez la tête. Et fléchissez et remontez. Vertèbre, vertèbre. Très bien. Roulez les épaules à l'arrière deux, trois fois. Et là.